Là, fallait bien que ça arrive, fallait bien que ça arrive. Bienvenue dans ce numéro 169, il me semble, de The Big Gamowski. Pourquoi je râle dès le début du stream? Bonne question. Bah, en fait, il se trouve que, avec tous ces shmups éculés depuis. Oui, éculés, madame. Éculés depuis des semaines que j'essaye de vous présenter, de vous faire explorer et essayer de choper au passage les meilleurs d'entre eux. Il fallait bien qu'arrive le moment fatidique où les gens se rendent compte, après moult plaintes, que la violence dans l'espace, c'était une moche. Oui, les bastons, la guerre, tout ça, c'est très très laid. Il manque de la choupitude dans tout ça. Et nous avons vu un stream de Parodius qui était fort intéressant à ce niveau-là. Mais ça ne suffisait pas. Non, ça ne suffit jamais. Et il faut dire que notre chère tête blonde, il faut quand même un petit peu les former. Parce que dans l'espace, il n'y a pas que des amis. On peut tomber sur d'étranges rencontres qu'on peut potentiellement regretter. Et ce serait dommage qu'un manque de formation de ces bambins ne leur permette pas une survie bien bien longue et une espérance de vie prospère. Sur ce, je vous emmène dans un nouveau shmup. Et vous allez voir que, bah, on a fait un shmup choupi pour les mômes, mais comment dire, c'est étrange. Voyons voir l'animal. Salut à toi. Plus Alpha! Alors regardez-moi ça, si c'est sympa. On vous fait voir la guerre sous son meilleur angle. Vous vous faites des potes, vous avez de l'équipement de haute technologie, et vous pouvez anéantir l'intégralité des choses que vous croyez sans vergogne. Va-t-il retenir notre attention plus que sur un scrolling d'intro? Ça, c'est la grosse question du jour. Alors, Jaleco. Bon, Jaleco, à l'époque, se tirait pas mal. Au niveau des jeux, oui, il y avait des bonnes réalisations. Qu'est-ce qu'on a de beau sur la démo? Waouh, un dragon! Ça fait longtemps, ça doit faire au moins 4 streams qu'on n'a pas eu un dragon. Comment ça, je suis de mauvaise humeur? C'est dimanche. C'est dimanche, j'ai droit au jeu de mollet. Je n'en ai pas encore utilisé un seul. Et ce jeu ne m'a pas convaincu sur sa démo. Maman, passe-moi un petit peu d'argent, tu seras trop choupi-choupi. Bibou-babou-babou-babou. Allons-y, win the country! Ready go! C'est étrange d'arriver en boule quand on a un petit avion. Regardez-moi ce petit avion tout choupi avec son gros bidon. Bon, on a là un Xème clone de 1941. Hein, faut quand même appeler les choses par leur vrai nom. Donc, vous prenez la programmation de 1941, vous altérez un petit peu le code, vous mettez ça dans un shaker avec beaucoup de pixels, et pif paf pouf, si vous avez un graphiste pas trop mauvais qui fait ce qu'on lui dit, vous lui dites fais-moi un shmup choupi, et il va vous faire donc ça. Et on se calme, bombasse sous le bouton droit, on ne change pas une équipe qui gagne. Comment ça j'ai un air blasé? Je pars avec un parti pris. C'est pas que, mais voilà. Et les gars, on y va là. On y va. Il y a Maurice qui attend dehors. Oui. J'ai pas envie d'être sympa. Alors pour l'instant, c'est pas trop trop compliqué. Hein. On va voir s'il va nous sortir des patterns adultes en plein milieu d'un jeu qui est censé être pour les minots. Alors oui, effectivement, si un shmup thème choupiné, c'est intéressant comme cible. Pourquoi pas? Enfin bon, je pense qu'un minot, quand il voit les adultes jouer avec des petits vaisseaux, ça doit pas trop le déranger d'avoir un petit vaisseau à lui tout seul. Oui, car un vaisseau tout seul, c'est un vaisseau, même s'il est propre. Il est un peu vif. Je crois que tu vas me faire la misère dans ta vivacité, toi, en fait. Eh oui, Evie. Ne remets pas trop en arrière, s'il te plaît, ce serait super sympa. Et puis se rouler boulet. Sur l'arrivée là, je sais pas d'où ça sort. Les mecs, ils ont peut-être un peu craqué. Hop, on va tout faire la bombe. Hein, c'est le premier niveau, je me permets. J'ai envie de me marrer un peu. Puis j'ai envie de voir plus loin à pas cher. Ah, mais il n'a pas résisté en plus. C'est pour ça que depuis, on fait des châteaux gonflables. Enfin, c'est une théorie. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Alors, nous avons un stage bonus où il faut.
faire un Gundam. Eh mais je suis trop fort en fait. J'ai gagné quoi? Ok, j'ai gagné le droit d'afficher un Gundam. Trop cool. Ok. Ouh, je t'ai vu toi. T'es un peu planqué mais... J'ai les sous-marins miaou choupi. Non, je craque là. J'ai du mal. Alors le truc c'est que je me demande si les nuages sont pas des objets qu'on peut percuter. Parce que... Donc j'essaye d'esquiver tout ce qui se présente parce qu'on a une très mauvaise visibilité quand même sur ce qu'on va se prendre dans la figure. Eh, on se calme, on se fixe. On arrête les conneries. Ah, tiens-moi ça. Eh oui. Ah, mais il ne jette rien. Eh oui. Tic, 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 tic. Oh, que tu es méchant. Mais que tu es méchant. En plus, t'es pas tout seul. Mais pourquoi tant de pas gentillesse? Parce que c'était pas de la haine. T'as vu ton pattern, il était un poil ridicule, mon pote. Alors, pour le principe, il va me les remettre. Quoi, tu t'es moqué? Tu t'es moqué? You mock of the game? You mock of the flying things? It's going to shit for you. Donc, ne pas me moquer des trucs. Très important. Hey, t'es choupi, toi. T'es cool, t'es un pote en plus, c'est génial. J'adore. J'adore ce que vous faites. Revenez. Revenez quand vous voulez. C'est quoi ces tirs de Tarbator? Oui, j'invente des mots au fur et à mesure des streams. Parce que je me dis que finalement, hein, avec tout ce qu'on me fait expérimenter, cette guerre contre des choupinés, là, cette guerre ne passera pas. Halt à la choupinitude. Alors là, j'ai un tir de bourré, assez extraordinaire. Oh, 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 ça se corse. Ça se corse vraiment, là. Eh oui, le drame. Le drame. Je pense que ce passage, je vais me le faire tout à la bombe, parce qu'il m'a l'air d'une jouabilité un petit peu douteuse, je vais me permettre. Ish, ish, ish. Parce que balayer toute la largeur de l'écran, déjà, et d'une, c'est pas possible. Et ensuite, même avec la meilleure volonté, quoi, je peux pas. Ah oui, j'aurais dû attendre pour les... Voilà, ceux-là. Ils ont l'air un peu collants. Tiens, mange. Oui, non, mais je passe mes bombes, mais au moins, j'avance un peu, quoi. Et je n'en ai plus. Ah. Le drame. Verra-t-on le deuxième boss? Passera-t-il le rideau de boulettes? Rien n'est moins sûr. On va se faire un petit écran de pub. Non, je déconne. Et on va essayer de le passer, quand même. Ce serait sympa. You. Yes, continue, volontiers. Alors que dire de ce jeu? Bah, c'est jouable, c'est très jouable. Mais voilà. Sorti de ces sprints trop mignons. J'adore dire ça. Parce que avec mon physique, ça va vraiment pas du tout. C'est trop choubi. Je vais pas y arriver. Eh ben. Oui, donc le jeu est jouable, mais. Voilà, il n'y a pas de glamour, quoi, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de... Je vais bientôt être mort. Je le cherche un peu, faut dire. On a du 1941 pur jus, quoi. On n'a rien d'autre. Donc peut-être que la choupitude, c'est pas vraiment assez pour qu'on se marre. J'aurais dû attendre avant de le déclencher. Je vais avoir un gros problème. I'm going to have a huge problem, you see, man. Allez, cassez-vous les choufis. Les choupis. Les choufis. Oh là là. Envoyez-moi le boss, s'il vous plaît. Oui, j'ai 2-3 mots à lui dire. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Ça va bien se passer. Peut-être. Ou peut-être pas. Oh, mais il est énervé, lui. Il est énervé de la pince. Un petit bonus avant que je me le tape, non? Même en option. Ok, 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 ok. Tu veux jouer à ça, on va jouer à ça. Et tout là. Oh, je tire bien quand il n'est pas là. Bon, 2 bombasses dans un boss, apparemment, ça suffit dans ce jeu. Je crois que je vais pas me retenir. Attention, le jeu bénis. Yeah! Fuck yeah! Ah ouais, non mais là, c'est bon. Je vais... Avec les pattes de chasse. Mais oh!
Quelque chose me dit que ce jeu est sous influence. Ouh là là que c'est fouillis. Ouh là là que c'est fouillon. Ah, je comprends mieux pourquoi je n'attache pas tant d'importance à la choupitude d'un shmup. Parce que là, la baston en Hollande au-dessus des champs de tulipes, ils ont craqué les gars. Non mais entre nous. Quel intérêt? Il n'y a même pas un espèce de pseudo-mode où, je sais pas, il y a un truc intéressant qui se passe. Oui, les pétales. Ah, il y a les pétales, effectivement. D'ailleurs, j'ai même pas d'essuie-glace sur mon pare-brise de vaisseau. Donc, je peux même pas essuyer les pétales. Ce qui est dégueulasse, je vais arriver devant le boss. Je vais y voir que dalle. Ah, c'est pas très fair-play, moi, je dis tout ça. Piu-piu-piu-piu-piu. Et oui, ça faisait longtemps, hein, piu-piu-piu. Alors, je vous rappelle que les t-shirts arrivent. J'insiste. Bon, ils sont pas encore sortis. Il y aura les prototypes que vous ne manquerez pas de voir dans les streams, que je vous montrerai en avant-première. Voilà. Mais ouais, le t-shirt QQQ, c'est une institution, quoi. Depuis le temps que vous suivez ces streams, vous savez exactement de quoi je parle. Bon, mon tir est pas. Pff, je sais pas ce que c'est ce tir. Ah ouais, oh putain, il est. Je l'ai pas vu revenir. On va pas le valider. Parce que. Hein, on en est à combien de shmups là? Je ne compte plus. Et on a dû passer la centaine. Vous comprenez qu'on puisse se permettre d'être un poil sélectif. Parce que. Alors oui, ça fera rigoler si vous voulez faire voir un 1941 à des amis. On lui envoie un truc genre, tiens, ça tu t'y attendais pas. Ouh la vilaine grosse guêpe. Ouh la vilaine grosse guêpe, comme une vraie. Oh, on peut passer à travers là. Ouh, qu'elle va se manger ça. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. À un moment, ça me gonfle, moi, les guêpes. Quoi? Qui a soupiré? Je ne sais pas, je ne sais pas. Probablement mon infirmière, vous avez reconnu. Le prénom de mon infirmière, non, vous ne le saurez jamais. C'est une chose secrète. Elle tient à sa vie privée et on connaît les problèmes qu'on a sur Internet avec tous ces gens mal intentionnés qui, avec leurs intentions maléfiques, ne manquent pas. Oh, culé. De faire des coups de tepu, comme on dit. Est-ce que je vous fais voir un petit peu plus loin? On en est à combien de temps là, les amis? 12 minutes. Ah, j'entends vos cris d'acclamation au loin. Et donc, caca plus loin, caca love, eh ben on va regarder un petit peu plus loin. Mais j'arrêterai là parce que je vous laisse découvrir le reste. Oh, mon dieu, il pleut. C'est ce qu'on appelle un shoot médiocre. C'est-à-dire, il est bien fait, il a sa patte graphique, mais le gameplay est. Fade, voilà, fade. C'est un beau mot pour décrire. Il est tellement fade que j'en viens à ne plus jouer correctement. Serait-ce le début du drame? Nous le saurons après cet écran pub. Ok. Non mais je tirais au cas où il y ait des ennemis, quoi. Mais en fait, je crois que je me suis fait une idée. Les coquins, ils étaient partis à la cantoche. Regardez-moi ça, ils arrivent tous en même temps maintenant. Alors toi, la guêpe, hein. On a beau dire pas folle, tu me brises les étamines, hein, pour rester dans un terme jardinier. Ça va chier, les amis, je vous le dis, ça va super chier, je suis super plus de bonne humeur, là, ils m'ont gonflé. Et même un rideau de boulettes ne suffira pas à m'arrêter car j'ai bien l'intention d'être méchant, d'être bad, d'être evil. Parce que tous ces trucs trop choupis, y en a marre. Je vais les anéantir un à un. Et où? Le prochain choupi qui me cherche, de près ou de loin, je le désosse. Copyright, copyright. Et oui, on les voit les gens qui ont regardé Evil Dead. Ah là 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 là. Oh là là, fais-moi pas recommencer 10 km en arrière, j'ai plus le courage là, j'ai envie de dormir en fait. En fait, ce shoot m'a endormi, voilà, c'est un shoot soporifique. Rah! Je suis colère, je suis rage et je suis. Game over!
Voilà pour ce petit shoot très ciblé, soi-disant au fond, je ne sais pas. Vous ferez votre propre opinion. Moi, perso, je le fous dans les archives au grenier. On le ressort une fois de temps en temps quand on tombe sur le nom et que ça rappelle plus grand-chose. Mais ce jeu est totalement dispensable. Merci, plus AFA et pas bientôt probablement. Quant à vous, ben je vous rappelle, vu que c'est assez chaud, que le petit Twitter de The Big Gamowski, tout accroché avec l'arobase au début, existe et est actif. Donc vous pouvez vous abonner pour suivre en temps réel les news, les bons plans. J'essaie de vous choper des infos quand il y a des promos sur des jeux assez sympas. Et puis bien sûr, les petits tests, donc les reviews de jeux. Et bien sûr, cet archivage magnifique et d'une taille absolument impressionnante de shmup que je prendrai le temps de tous essayer un à un. Pour les gens qui n'ont pas suivi, il y en a plus de 1400. Oui, j'ai des cernes d'avance, mais je ne désespère pas et je vous les ferai tous voir. C'est le but de la mission. On s'abonne, on se fait des bisous, à bientôt, ciao!